J'ai commencé la musique depuis le lycée. Je faisais du rap déjà avec mes potes du collège, du lycée. Et donc en 2000, on avait formé un groupe qui s'appelle Jamdong en 2012 avec des potes de la fac et des Sénégalais. Okay. Et voilà, on a sorti deux mixtapes 2011-2013. Et c'est en 2014 que j'ai sorti mon premier projet solo. D'accord. Et bah, j'étais en France, je faisais mes études en France. Et j'ai posté le projet partout. Et ça a eu un succès immédiat au Sénégal. Vraiment, c'est triste, ouais, merde. Gorna John, pêcheur loup de Chris. Ah, yeah. Ça veut dire que le truc est sorti vendredi soir. Et samedi, à ma mère qui m'appelle, qui me dit j'entends ton son à la radio. C'est ton clip qui passe à la télé. Est-ce que c'est bien à toi ou je rêve? C'est devenu viral du jour au lendemain, en 24 heures. En 24 heures. Un genre de Gangnam Style. Franchement, version Sénégal. Enfin, au niveau de la propulsion du son, en tout cas. Ouais, c'est ça. Super. Et je m'y attendais pas du tout. Je faisais mes études tranquille. Et depuis lors, bah, j'ai enchaîné. T'es dans un petit marathon, genre ? J'ai enchaîné projet sur projet et je fais ça à fond bah, depuis maintenant 5 ans. Là, en 2020, pendant le confinement, j'ai sorti un mini projet de 3 titres qui s'appelle Antidote. Parce que j'étais vachement inspiré par le confinement. Ouais, le confinement. Ça a inspiré beaucoup d'artistes. Ouais. Mais comment toi tu l'as vécu ? J'étais en France. Okay. Parce que j'étais venu au mois de février, fin février, juste pour 2-3 semaines faire mes trucs. Et j'ai vu que ça allait devenir sérieux. Et entre repartir et rester, bah, j'ai fait le choix de rester du coup en France. J'ai repris à m'enregistrer tout seul, à envoyer mes sons pour faire les mixages et tout. D'accord. Et du coup, le projet Antidote dont je parle, bah, c'était intégralement ça. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait d'être enfermé, donc de... Tout le monde a eu à faire une introspection, à apprendre beaucoup de choses sur soi, bah, sur le monde. Et par rapport à l'Afrique, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est qu'avant que les choses deviennent sérieuses, tout le monde se disait « Putain, ce truc, s'il arrive en Afrique, on va tous mourir. » C'est vrai. Dans chaque maison, il y a 10 personnes, etc. C'est vrai. Et au final, tu vois, donc je ne sais pas si c'est un miracle ou qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'en ai profité pour dire que faut pas être pessimiste et en fait ça montre que bah, l'Afrique peut s'en sortir parce que si tous les pays développés sont en train de souffrir et que bah, en Afrique on résiste mieux en tout cas pour le moment à ce virus mortel, pour moi c'est un signe en fait, ça montre que on n'est pas condamné à la malédiction. Parce que tout le monde au début était assez pessimiste. Exactement. Au niveau du virus. Et au final, les gens ont commencé à immigrer en Afrique. Pour se fuir le truc un peu. Et est-ce que tu trouves qu'avec la musique, il n'y a pas ce même essor en ce moment dans les 5 dernières années? Bah, carrément. Tu ne trouves pas qu'il y a le pont entre l'Europe et l'Afrique est beaucoup plus facile? Ah oui, oui. Tu rebondis face à ce genre de phénomène? De la même manière, parce que quand tu te dis que les gens ils inventent des vaccins aux États-Unis ou en France ou je sais pas où, et ils vont aller tester ça en Afrique pour voir si c'est vraiment bon avant de... Là, tout le monde s'est rendu compte que bah, vos vaccins, essayez ça, excusez-moi du terme, avec votre population, avec les gens qui sont concernés, et nous, on va plus gober tout ce que les États-Unis ou l'Europe nous ramènent chez nous, tu vois. Nous, on est plus des testeurs, genre. Voilà, et de la même manière, moi, dans ma musique, c'est ça, je fais mon truc avec ma petite équipe. On veut s'en sortir déjà chez nous, être des stars, pouvoir vivre de notre art, même si en Afrique les gens sont plus pauvres, même si le marché est beaucoup plus faible, et imposer notre truc, l'exporter en Angleterre, en France, aux États-Unis, il n'y a plus de barrière de langue. Aujourd'hui, on est tous sur Internet, on vit presque tous la même chose, quoi, que tu sois à Dakar, à Paris ou à Lagos. On est tous sur Instagram, sur YouTube. Donc quand c'est bon, ça passe. Donc tout est centralisé en fait, tout est mutualisé et ça ouvre beaucoup plus de portes. Et je me dis qu'on a peut-être pas forcément tous les mêmes départs parce que bon, en termes d'infrastructure, on peut pas encore comparer un artiste qui vient d'un pays avec
15 000 studios, 15 000 radios, 15 000 télé, un artiste où il n'y a pas les mêmes infrastructures. Mais avec ta créativité, avec ta petite vidéo, que tu sois un danseur, tu postes ta petite vidéo sur Instagram, ça peut être posté par n'importe qui et le lendemain, tu te retrouves chez Ellen Show ou je sais pas qui. Ouais. De la même manière, un artiste, c'est pour moi, c'est pareil, tu vois. Tu rappes en français, et du Wolof dedans, et de l'américain, enfin de l'américain, de l'anglais. De l'anglais, parfois, voilà. Ça fait que tu as une pluralité, puisque tu peux être entendu, on va dire, par trois communautés totalement différentes, donc les anglophones, les francophones et les gens qui comprennent le Wolof, j'allais dire les wolophones. Les wolophones, ça passe. Et du coup, comment est-ce que tu, dans ta musique, tu mélanges les trois et est-ce que ça t'a permis, du coup, d'exporter ta musique dans plusieurs pays différents? Ouais, moi je me dis juste que chaque langue, chaque culture a sa place dans cet espace illimité là. Et chacun, c'est ça qui même qui fait la beauté des choses, quoi. Les Nigériens ramènent leur truc, les Ivoiriens ramènent leur truc, et moi en tant que Sénégalais, je ramène mon truc différent. Même s'il y a beaucoup de points en commun, mais c'est ça qui fait la beauté des choses, quoi. Je me dis que la langue n'est pas une barrière. Je fais les choses au feeling. Je suis plus à l'aise en Wolof. Donc c'est vrai que quand j'écoute une instru qui me parle ou quelque chose comme ça, mon premier réflexe, c'est des mots en Wolof qui me viennent en tête. C'est pour ça que je fais plus de sons en Wolof. Et parfois aussi, comme je suis bilingue ou trilingue, si la première inspiration qui me vient, elle est en français ou en anglais, j'hésite pas. C'est pas que la langue ou les paroles qui comptent, c'est tout un packaging. Et demain, si on doit te demander de choisir une des trois langues sur laquelle tu resterais focus? Ouais, c'est sûr que ce serait le Wolof. Vraiment? Ouais, c'est ça qu'on aime. En vrai, c'est ce que j'attendais. Parce que non, c'est une langue très très riche et très musicale, je trouve. Et même moi, c'est une langue tellement riche que je pense que mon vocabulaire en Wolof, j'ai encore plein de mots à apprendre, plein d'expressions. Okay. Parce qu'en en Afrique de l'Ouest, c'est la tradition orale. Et quand tu passes même une demi-heure avec ton grand-père ou quoi, tu vas apprendre plein de proverbes qui peuvent t'inspirer pour des punchlines, plein de mots que nous on n'utilise plus parce que moi le Wolof que je parle, c'est, on va dire, c'est 70% de Wolof, 20% de français et 10% d'anglais, hein, en fait. Il y a plein de mots qui viennent de l'anglais, même du portugais, même parfois, parce que c'est toutes les cultures qui sont passées par le Sénégal. Les gens sont de plus en plus ouverts et ils se rendent compte que même si le mec il rappe pas ou il chante pas en français, quand tu regardes ce qu'il dégage, ou quand tu regardes un clip, tu arrives à voir qu'est-ce que c'est, tu arrives à percer à cerner l'univers de l'artiste, à savoir qu'est-ce qu'il raconte. On fait tous les efforts, en tout cas, pour que la langue ne soit pas une barrière. Moi, je fais toutes mes presque. On est en train de travailler dessus. Je fais de telle sorte de traduire toutes mes chansons, tous mes clips sur YouTube. C'est cool, tu ça. Vois, je fais le maximum. Tu mets des sous-titres, ouais, et tout. On met des sous-titres et tout pour que les gens comprennent. Donc je fais tout pour ne pas fermer et montrer que c'est pas parce que c'est dans une autre langue que c'est pas fait pour vous, quoi. C'est pour tout le monde, c'est pour l'humanité. Parce que je vois plus de différence entre un danseur hip-hop sénégalais et un danseur hip-hop de londonien, pour moi, tu vois. Je vois ce que tu veux un dire. Un danseur afro de Paris ou un danseur afro de... C'est les mêmes pas, c'est la même philosophie, la même vibe, on porte les mêmes habits, on... C'est la même culture, c'est la même discipline, voilà. Donc on essaye de jouer. En fait, il n'y a pas de barrière, de couleur ou de langue à c'est partir ça. Du moment où on fait le même art. Est-ce que tu as des actus? Je vais enchaîner là plein de singles jusqu'à la sortie du prochain projet, donc on va dire 2021. Mais d'accord. Là, jusqu'en fin courant 2021 courant 2021, okay. Inch'Allah. Et avant ça, je vais balancer, ça va pas s'arrêter. Tu travailles avec des producteurs, j'imagine. Tu m'as dit tout à l'heure que tu travaillais en famille. Ouais. Est-ce que tu travailles avec des producteurs en France, des producteurs au Sénégal, avec que ton petit entourage, ou tu vas aussi diguer des petits producteurs sur Internet? Est-ce que ça te dit aussi de travailler avec des gros producteurs qui ont fait des gros hits à d'autres stars de la diaspora africaine? Ouais. En fait, aujourd'hui, je travaille plus avec des producteurs avec qui je travaille depuis le début, parce qu'ils sont très forts et ils comprennent ce que j'ai envie de faire. Okay. Et voilà, quoi, j'y trouve mon compte.
En France, je travaille avec deux trois producteurs pas mal connus, hein, Still Nas, il a fait des discos d'or avec. On connaît So Still Nas. Ouais, let's go. Drinky. Mon pote Maze, okay. Qui a fait plein de prod et tout. Je suis de la même manière le rap français, américain et sénégalais, de la même manière. Parce okay. Qu'au Sénégal, en grandissant, c'était ces trois univers-là, quoi. Mais où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Et est-ce que tu te vois avec nous, avec Rins, peut-être dans un prochain festival quand le Covid situation va carrément. S'arrêter ? Avec plaisir, bah oui, je le souhaite vivement. J'espère que dans 5 ans, je sais pas, moi, je vais. Beyoncé va venir à Dakar faire un stage, me dire non, Elzo, faut que tu m'héberges 2 mois parce que la vibe qui est là, elle est trop. Faut que tu me montres c'est quoi ton secret, j'ai trop envie d'apprendre. Parce que on rigole comme ça, mais il y a beaucoup de choses dans les pays africains. Il y a beaucoup de trésors qui ne sont pas encore exploités, qui ne sont pas encore découverts. Donc c'est un grenier, mais c'est un truc illimité qui est là, qui dort, un trésor vraiment illimité. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à partager, à montrer au monde entier. Ouais, donc ouais, j'espère que dans 5 ans, on pourra s'asseoir sur la table de, je sais pas, Beyoncé, Maître Gims, Jay-Z et Elzo Jamdong. Allez, let's go!